je suis Miss Guinguette 2011. Daniel, je suis la nouvelle Miss Guinguette 2012. Je viens régulièrement à Rochecorbon parce que c'est un lieu fantastique pour danser. De très loin. Oui, je viens d'Angers. Et voilà, j'avais envie aussi avec mon partenaire de danse. Bon, on avait envie de concourir pour, voilà, pour notre passion, surtout pour notre passion. Ah, l'élection de Miss Guinguette, c'est-à-dire que moi, je savais qu'il y avait une association Culture Guinguette à Paris qui déjà organisait des élections comme ça, Miss Guinguette, et je me suis dit, il faut que je les contacte parce que ça, ça me plaît, ça doit plaire aussi aux gens, et donc j'ai organisé ça tous les ans. Alors, on fait ça tous les lundis de Pentecôte, tous les ans, et ma foi, c'est assez populaire, ça plaît bien. On a fait d'abord l'élection régionale Rochecorbon, et puis après, on est allé à l'île de Martin de Pêcheur vers les nationales. Voilà, pour nous. Pour Orlane, mais pour moi, ça s'est passé ici. Les élections nationales se sont passées ici. Très bien. Alors, quel est l'emploi du temps d'une Miss Guinguette nationale? Surtout la danse, parce qu'on a la passion de la danse, donc c'est surtout la danse, tant qu'on peut. Vous êtes demandé partout en France? Non, c'est pas aussi populaire qu'une Miss France ou autre chose, mais ça reste du côté familial plutôt. D'accord. Oui, tout à fait. Et vous avez le droit de reconcourir après? Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, oui. Cette année, j'aurais pu, mais j'ai pas voulu, je laisse la place aux autres. C'est un bon souvenir. Oui, oui, franchement, une bonne expérience. Très, 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 beaucoup d'émotions surtout. Oui, ouais. Beaucoup d'émotions. Vous avez fini combien? Troisième. Sur combien compté? 15 Non, pas tant que ça. 13 Je sais plus, non, c'est 7 ou 8, je crois. Oh, t'es plus que ça. Enfin, bon. Le troisième, c'est pas mal. Bon, bah, vous êtes déshabitué des pistes? Oui. Ah oui. Le jeudi et le dimanche. Le jeudi et le dimanche, oui. Ça fait 8 ans que ça dure. Ouais. Et puis chez Gérard et Evelyne, on est toujours bien reçus. Jean-Claude, la personne qui m'a appris à danser et sans qui je ne serais pas arrivée au titre de Miss Guinguette 2012. C'est parti pour le challenge.